qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Je sais que tu ne veux pas que je te mette la pression, Irène, mais je t'en prie, mets-toi à ma place. Je veux savoir où j'en suis, et où est-ce que je vais avec toi. Irène, ça fait un an qu'on est ensemble, toi et moi. Il serait maintenant normal et sensé qu'on officialise notre relation. Non? Ah, Felipe. Est-ce que tu veux vraiment savoir où je veux aller avec toi? Je t'ai donné mon fils. Je vis avec toi. Que veux-tu de plus? Oui, oui, mais ce n'est pas la même chose. Laisse-moi finir. Je suis convaincue que toi et moi, nous sommes unis par des liens plus forts qu'un papier. Nous avons d'abord été amis. Ensuite, tu m'as soutenue quand j'ai eu besoin de toi avec ma famille. Maintenant, tu es le père de mon fils. Pour moi, il est clair que je suis ta femme. Mais si tu as besoin de régulariser notre situation avec un papier, alors c'est moi qui vais devoir te poser ces questions. Est-ce que tu as déjà pensé que si nous signions ce papier, nous resterions ensemble pour le reste de nos vies? Est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec moi? Felipe, tu comprends que pour moi le mariage, c'est fait pour nous unir devant Dieu? Si ta réponse à ces questions est oui, alors sache que la mienne aussi. Bonjour, maman. Je veux m'excuser à propos du commentaire que j'ai fait hier soir. Non, non, mon chéri, je t'en prie, tu n'as pas à t'excuser. Si, maman, je dois m'excuser, c'est que... Écoute, parfois je dis des choses sans réfléchir, je n'ai pas de filtre, vraiment. Je sais qu'il faudrait changer ça. Léo, mon amour, tu as toujours été comme ça. Chéri, tu ne sais pas dissimuler les choses. Et ça, je t'assure, ce n'est pas un défaut, mais une qualité. Mon chéri, tu es mon fils. Et on pardonne tout à ses enfants. Mais je veux que tu saches une chose. Quoi? Ni l'argent, ni les biens, ni le luxe ne m'intéressent. Vous êtes ma plus grande richesse, mes enfants, ma famille, mon époux. Rien de plus ne peut faire mon bonheur. Hmm?
Hier soir, je suis sorti avec Maria Lucia et Sandra. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elles voulaient, que tu payes l'addition? Non. Elles ont payé et elles ont été très aimables. Mm. Mais oui, elles avaient une autre idée en tête. Elles veulent que je fasse la connaissance du type qui sort avec Maria Lucia. Ah. Alors, monsieur l'amoureux mystérieux existe réellement? Mm-hmm. Il existe et il est très attentionné avec Maria Lucia. Mm. Et dis-moi, ce type, il est quoi? Il est célèbre? Il est millionnaire? Tu sais quoi? Il a l'air bien. Ouais, il l'a invité dans sa maison de vacances, sa maison familiale. Ouais. C'est bon. Et Maria Lucia jure que Madame Trinidad va lui donner l'autorisation d'aller à Margarita avec son fiancé. Je crois bien, en tout cas, il s'y prend bien. Il a invité Sandra, et il m'a invité. Non, je crois que ce garçon est sérieux avec Maria Lucia. Et toi et ton frère? Hors jeu. Maria Lucia est partie de bonne heure parce qu'elle avait un examen très important à l'université. Et elle avait rendez-vous avec des amis pour réviser, je crois. C'est bien qu'elle soit si appliquée dans ses études. Et grâce à Dieu, elle a abandonné son idée de laisser tomber l'université. Ah, Irène. C'est vrai. Maria Lucia est une fille merveilleuse. Elle le doit à maman. Et bien sûr à toi. Mm-mm. Et où est maman? Elle n'est pas ici pour prendre son petit-fils dans ses bras? Mmh. Maman, elle doit être à l'église, en train de demander conseil à la Vierge. Des conseils? Mmh. Ah, Irène, je t'ai pas raconté. Ansola l'a demandé en mariage. Quoi? Enfin, il a fini par oser. Ah oui, comme tu dis, et la réponse a été un non ferme. Ne lui dis rien, c'est un secret. C'est Loupé qui me l'a raconté et elle m'a demandé de me taire. C'est bien. À mon avis, c'est Loupé, qui vient toujours prendre l'attention à maman à la même heure. J'arrive! Tu as dit que tu voulais qu'on parle en dehors du bureau, eh bien je suis là. Ça alors, Irène? C'est bien que tu sois ici. Comme ça, on pourra traiter différents sujets une bonne fois pour toutes. Ça va ici. Excuse-moi, Felipe. Je sais que tu es très occupé, mais je dois te parler. C'est très urgent. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Pérez, finis de tout préparer. On va au tribunal dans 5 minutes. Je t'écoute, Leonardo. Comme tu peux le constater, j'ai juste 5 minutes à te consacrer. Ce que j'ai à te demander prendra bien moins de temps que ça, je t'assure. Je veux te parler d'homme à homme. Qui est le père du fils d'Irène? Qui est le père de Matteo? Je comprends pas pourquoi tu as des doutes. Tu n'as aucun droit de venir ici pour me poser cette question. Tu es sur la défensive, tout comme Irène. Ah, tu as déjà parlé avec Irène? Si tu as parlé avec Irène, je comprends encore moins ce que tu fais ici. Vérifier quoi? La moindre possibilité que Matteo soit mon fils me donne tous les droits. Tu sais parfaitement parce que tu es avocat. Eh bien, en ce moment, ce n'est pas l'avocat qui parle, mais le père. Respecte Matteo et respecte Irène. Matteo est mon fils, n'est-ce pas? Matteo est mon fils, et tu n'as aucun droit sur lui. Je te prierai, Leonardo, de respecter ma femme. Comme tu n'as pas voulu la respecter quand elle était avec toi. Ta réponse, au lieu de me calmer, génère encore plus de doutes. Ça, c'est ton problème, je te signale. Les 5 minutes sont passées. Donc, si tu permets, je te prierai de... Je veux que tu saches que... Si ce que je soupçonne sur Matteo est vrai, je vais me battre pour le reconnaître. Je vais lutter avec toutes mes armes. J'ai encore énormément de travail à faire. Alors je te prierai maintenant de quitter mon bureau. Sors de chez moi, Rodrigo, je n'ai rien à te dire! Tu te trompes. Tu te souviens que la dernière fois, nous avons laissé une conversation en suspens au bureau, qui a été interrompue par ce vigile. C'est pour ça que je suis ici. Non, vous n'avez absolument rien à dire à ma sœur. Vous partez ou j'appelle la police. Fais-le. Fais-le, pour moi c'est parfait. Mais par contre, c'est Virginia qui en paiera les conséquences. N'oublie pas qu'elle ne peut pas être impliquée dans un scandale pendant qu'elle est en... liberté conditionnelle. Ça, Rodrigo, tu vois, je m'en fiche. La seule chose que je veux, c'est que tu sois loin de moi. Virginia, ne me traite pas comme ça. Encore moins maintenant que... nous sommes en famille. Je suis venu parce que je veux négocier les conditions de ma fille. Maria Lucia est ma fille! Il faut que tu le comprennes! Pas la tienne!
Comprends-le, une bonne fois pour toutes, il n'y a rien à négocier avec toi, Rodrigo. En plus, elle est majeure, elle prend ses propres décisions. Parfait. Eh bien, c'est parfait. Alors, c'est à elle de décider. Je trouve ça bien. Maria Lucia a déjà pris sa décision. Elle te l'a déjà dit plusieurs fois. Oui, oui, c'est vrai. Mais cette fois-ci, j'ai une proposition à faire. Et je sais que ça va la faire changer d'avis. À ta place, j'arrêterai la concurrence avec Maria Lucia. Elle a l'air très amoureuse de ce type. Il s'appelle... Damian, il s'appelle, ouais. Moi, je suis sûr qu'elle est avec lui seulement parce que c'est mieux que d'être seule. En plus, qu'est-ce que pourrait avoir ce nouveau monsieur petit ami mystérieux de plus que moi? Ce n'est pas ce qu'il a, mais plutôt ce qu'il n'a pas. Tu comprends? Je ne comprends pas, mais vas-y, explique. Il ne s'appelle pas Ferrandiz. Voilà tout. Tu veux dire qu'être un Ferrandiz, c'est mauvais? Julio, tu ne devrais pas le prendre comme ça. Je n'insinue rien du tout. Tu ne l'as pas dit, mais par contre, tu l'as insinué. Pourtant, je trouve que toi, tu en profites pas mal d'avoir un ami Ferrandiz. Et je t'en remercie. Je remercie tout, absolument tout ce que vous me donnez, mais... Écoute, tu dois laisser Maria Lucia, d'accord? Maintenant, laisse-la tranquille. Ouais, ok. Fantastique, Fernando, tu m'as donné toute l'information, alors... On y va, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, moi. Dès que tu apprends quelque chose de plus, tu m'envoies un texto. Je t'enverrai un texto, alors, ouais. S'il te plaît, ouais. Excusez-moi, monsieur Junior, je vais m'asseoir ici. Bon appétit. Ouais. Et attention, tu vas faire tomber... Ah, et ben voilà. Enfin, je m'en allais de toute façon, je te laisse ranger tout ça. Et je suis cadre, Junior. Mon neveu, tu ne sais pas combien je suis content de t'avoir ici à la maison, même pour quelques jours. Merci, Tata, mais... On dirait que je vais rester ici beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Et tout ça à cause de Madame Altamirano. Cette femme, je ne l'ai jamais aimée. Je ne comprends pas comment elle a pu faire ça. Bien sûr, c'est évident. Elle voulait se venger. Et que mon père ne la renvoie pas et... Enfin, bref. Mais je suis ici à la maison et je ne suis plus prisonnier. J'ai parlé avec mon avocat et... On dirait qu'on va m'appeler pour faire des travaux d'intérêt généraux. Bien. Pense de cette façon. C'est toujours un mal pour un bien. Hein? Tu es ici, avec ta famille qui t'aime. Oui, je sais. Et tu seras à la maison un bon moment. Hein? Alors, tranquille. Je crois que tu as raison à propos de cette femme. Je pense que cette obsession pour ton père lui fait complètement perdre la tête. Tu te souviens quand tu m'as rendu visite? Et tu allais me raconter quelque chose sur ma mère. Bien sûr, tu ne me l'as jamais dit, mais... Je voudrais savoir ce que c'était. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ça devait être sans importance, un commentaire sans gravité. Ça ne vaut plus la peine maintenant, excuse-moi. Tu es certaine, Tata? Parce que... Dernièrement, j'ai observé ma mère et... Et je la trouve un peu bizarre. J'ai pas l'impression que c'est elle. J'imagine qu'elle est nerveuse. Tu dois comprendre qu'elle a eu... Qu'elle a eu assez de mal à s'adapter à autant de changements, à tant de nouvelles choses et... Enfin, Léo, ce qui lui est arrivé n'est pas normal. Oui. C'est pour ça. Bien sûr, oui. Si Agustina ne prend plus ses médicaments, elle commencera à s'énerver. Elle semblera encore plus folle et incohérente. On pensera que c'est dû à son instabilité mentale. Elle a toujours été la folle de la maison.
Ah, ma chère petite sœur, voilà ce qu'il en coûte de se dresser sur ma route. Tu n'as rien à proposer à Maria Lucia. Elle a pris ses propres décisions et rien ne la fera changer d'avis. C'est une fille bien. Pas comme vous. Non, j'imagine ce que tu vas lui proposer. Tu vas la voir avec ton argent, mais je veux que tu saches que ma fille ne s'achète pas. Et tu ne vas pas la voir comme père avec de l'argent. De l'argent? Non, 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 non. Un moment, je crois que vous vous trompez. Moi, proposer de l'argent? Non, pas du tout. Je veux simplement pour elle une vie... Une vie différente. Une vie meilleure. Elle a déjà une vie merveilleuse. Remplie d'amour, elle n'en a jamais manqué. Écoute, Rodrigo. On n'est peut-être pas riches, mais nous sommes heureuses. Et surtout heureuses avec ce que nous avons. Je ne regrette aucune décision que j'ai prise dans la vie. Même pas l'horreur que j'ai vécue à cause de toi. Non, je ne t'ai rien dit. Simplement... Je vis une vie pour ma fille remplie de luxe. Maria Lucia n'a besoin de rien venant de toi. Maria Lucia est ma fille et celle de personne d'autre. Comprends-le, Rodrigo. À partir du moment où je l'ai sentie dans mon ventre, c'est devenu ma raison de vivre. C'est pour elle que j'avance maintenant. Et je veux que tu saches que maintenant que je suis libre, je ne vais sûrement pas la partager avec toi. Fais très attention, Virginia. Fais très attention avec ton idée stupide de rouvrir le cas. Il ne faudrait pas que tu le perdes aussi, si tu vois ce que je veux dire. Et que tu perdes tout. Comme tu veux, c'est une équipe oui, c'est peu vrai. Compétitive. Oui, de toute façon, ils risquent de perdre le championnat. Excuse-moi. Je savais que je vous trouverais ici. C'est que souvent vous m'avez dit que vous restiez ici jusqu'au départ de votre patron. Oui, 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 mais c'est que je te vois et je n'y crois pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé... Non, rien du tout. Mais vous? Moi? Vous? Vous n'êtes pas passé ce matin? Vous m'avez laissé les galettes. J'ai l'habitude que chaque matin, vous veniez manger les galettes de maïs avec des œufs brouillés. Ah non, non, je croyais que tu ne voulais plus qu'on se voie. Ça veut dire quoi, Ansola? Vous savez très bien que j'apprécie votre compagnie. Bien, mais je ne suis rien venue demander. Merci, mon Dieu. Quelle bonne nouvelle. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Comment est-il possible que nous soyons si amis, n'est-ce pas? Et que je vous appelle Ansola et que je n'ai pas la moindre idée de quel est votre prénom, votre vrai prénom. Ce n'est pas possible. Bien. Bien, ce qui s'est passé dans le temps, c'est que... En fait, je vais tout te dire. Ça fait bien longtemps que tout le monde m'appelle Ansola, mon nom de famille, j'ai assumé. Vu que c'est mon nom chrétien, tu vois. Mais... Je vais te dire comment je m'appelle. Mon prénom est... Jacinto. Je t'en prie, ne le répète à personne, hein. Jacinto. Jacinto Ansola. Ah, mais c'est très joli. Mais si vous y tenez vraiment, alors ce sera notre secret. Bien, mais je ne suis pas venue seulement pour savoir votre prénom. Je suis venue parce que... Si nous devons nous marier, je dois tout savoir de vous. Vous ne croyez pas? Bon, maintenant on sait que le service juridique a préparé le document pour réclamer la formule et le processus de développement. Ils sont certains qu'avec tout ce qui se trouvait en Guyane, avec ce que l'enquête a révélé, ils vont gagner le procès. Je le savais. Galeano avait tout documenté, avec des dates, avec des photographies, même depuis le début de l'enquête. Ce sont des preuves accablantes.
qui finiront par nous donner raison. C'est bon. C'est bon. Et toi, où étais-tu passé? Je suis allé parler avec Felipe. Ah, bien sûr. Tu es allé le remercier pour Léo. J'ai appris qu'il est chez vous depuis hier. Vous êtes très content. Non, non, mon frère. Je suis allé lui demander si Matteo est bien mon fils. Je t'en prie, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ne sois pas têtu. Pourquoi Irène cacherait une telle chose? Parce que Rebecca est arrivée, par exemple. Mon frère, si Matteo est mon fils, j'ai le droit de le savoir. Bien sûr, c'est tout ce qui importe, non? Prouver que tu contrôles tout et que tu as toujours raison. Non, non, non. La question n'est pas de savoir qui a raison. Si cet enfant est bien mon fils, je serai l'homme le plus heureux du monde. Tu ne le comprends pas. Alors, fais très attention à la façon dont tu gères ça. Ne te fais pas rejeter par Irène. À quoi ça va te servir d'agir de la sorte si elle s'éloigne, elle et l'enfant de toi? Je ne permettrai pas qu'elle éloigne l'enfant de moi. Je suis capable de remuer ciel et terre pour exercer mes droits de paternité. Tu es toujours comme ça. Tu ne penses qu'à ta petite personne. À cause de tes actions, tu as toujours fini par perdre les choses les plus importantes de ta vie. Un moment, mon frère. Tu devrais comprendre ma position. L'amour ne s'exerce pas, ne se contrôle pas, ne s'exécute pas. Les sentiments ne s'organisent pas comme un organigramme. Comprends-le, tu n'es ni le chef, ni le président de la vie de personne. Quand tu auras enfin compris ça, tu connaîtras enfin la vie. Alors, c'est bien sûr, on va se marier? Oh mon Dieu, je peux pas y croire. On va se marier? C'est bon, Jacinto. C'est que, écoutez, les problèmes apportent la fatigue. Je dois d'abord réfléchir, d'accord? Je dois réfléchir très bien pour pouvoir prendre une décision. Bien, 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 bien. C'est déjà quelque chose, non? Au moins, tu ne refuses pas, hein? Et je crois que c'est un début, n'est-ce pas? Écoutez, c'est que vous savez tout de ma vie. Nous avons beaucoup parlé. Mais il y a une partie que nous n'avons pas approfondie. Et c'est que, après mon veuvage, peu de temps après, j'ai dû assumer la maternité de ma fille adolescente. Bien oui, ça, je le comprends, d'accord? Ça a dû être difficile pour toi. Vous n'avez pas idée. Tout le monde me montrait du doigt. Tout le monde me critiquait. Même à l'église, on me mettait de côté. C'était comme porter une croix. Je ne veux pas que ça recommence, vous comprenez? Bien, mais tu l'as fait. Tu l'as fait pour une bonne raison. Tu l'as fait pour pouvoir avancer avec les gens que tu aimes, hein? Bien sûr. Et en plus, j'en suis très fière. Alors, oublie tout ça. Les commères chercheront toujours des commérages. Il y aura toujours des personnes jalouses à l'affût du bonheur des autres. Laisse tout ça derrière. La vie n'est pas facile. Non. Mais on peut la rendre plus belle, hein? Si on arrive à prendre les risques nécessaires. Adela, cet ami que j'ai au tribunal m'a téléphoné pour me dire que ce petit avocat de seconde classe, celui qui s'est chargé du cas de l'assassin de ton fils, a introduit face au tribunal une demande de réouverture de ce cas. Oui, je suis au courant de ça. Oui, on dirait que le tribunal va rouvrir le cas. Parce que les preuves antérieures ont effacé des fautes et ils disent que celles-ci, eh bien, sont bien fournies. Adela, c'est une erreur que tu dois stopper. C'est une erreur que tu dois stopper. Tu imagines le coup de... que pour la famille, l'entreprise, les conséquences de cela, le coût pour l'entreprise et la famille. Mais oui, je le sais bien, Adolfo. Je le sais. Ah, pardon, Adolfo, je ne t'ai pas offert du café, jus de fruits? Non, non, ce n'est pas grave maintenant. J'imagine déjà tout. Tu as certainement déjà essayé de convaincre ton têtu de fils Carlos Ernesto, mais certainement qu'il a refusé. Mais laisse-moi te dire que mon fils est si têtu. Eh bien, il m'a convaincue. Je ne peux pas y croire. Oui.
Mais tu étais fermement contre cette infamie, vers ta famille, contre l'entreprise. Adéla, je t'en prie. Bien, bien, Adolfo, j'ai changé d'idée. Et puis maintenant, j'ai dit à mon fils qui est tellement têtu et déterminé que j'allais le soutenir. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu dois arrêter cela, Adéla. C'est horrible. Eh bien, cette horreur, comme tu l'appelles, c'est ce qui va me donner la sécurité, me donner la paix. Parce que pour le moment, je ne suis pas tranquille. J'ai énormément de doutes. Tu as des doutes? Voire même, je suis disposée à aller jusqu'à déclarer volontairement. Ah, ça oui! J'accepterai toutes les décisions prises dans cette enquête. Fais taire ces enfants! Consuelo! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Consuelo! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces cris? Mais je ne sais pas. Je ne peux même pas me reposer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous comme ça, madame? Que se passe-t-il? Consuelo! Quoi? Tu n'entends pas le vacarme assourdissant que font ces enfants? Ils me rendent complètement folle! J'ai mal à la tête et je veux me reposer! Ces enfants ne peuvent pas jouer tranquillement! Madame, calmez-vous! Les enfants sont à l'école! Il n'y a que nous dans Alors, la maison! Qui crie? Qui crie de cette façon tellement exagérée? C'est insupportable! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est quoi tout ça? Oui. Lucas! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Madame Agustina ne se sent pas très bien. Oh, je t'avais prévenue, elle est un peu surmenée. Mon enfant, va préparer un thé ou quelque chose. Et toi, va chercher les comprimés de madame. Je les ai déjà pris, Consuelo. J'ai déjà pris mes médicaments. C'est sûr? Es-tu certaine? Évidemment que j'en suis sûre, Adéla. Est-ce que tu me prends pour une imbécile? Agustina, personne n'a dit une telle chose. Personne n'a dit une telle chose. Du calme. Mais c'est vrai que tu es perturbée. Du calme. Et c'est évident. Peut-être que tu as mal dormi. C'est un comble. Tu as perdu la tête, Adolfo. Ne me traitez pas comme si j'étais une... Non, je n'ai rien du tout. Et vous n'êtes pas médecin. Aucun de vous elle n'est va médecin. Bien, elle va et je bien. Sais parfaitement Mais ce que si, je fais, elle d'accord va bien. Mais oui, regarde, bien sûr. Bien sûr que je vais bien. Oui, bien sûr. Oh. Laissez-moi tranquille. Ce sont les enfants qui me perturbent. Ce ne sont parce pas les que enfants. Que ma sœur est arrivée, ici tout le monde fait ce qu'il a envie. Ça ne peut pas être les enfants. Les enfants sont à l'école, madame. Ne commence pas à me traiter comme une Calmez-vous. Enfant. Comme si j'étais stupide. Lâche-moi. S'il vous plaît. Lâche-moi, je contrôle parfaitement. C'est moi qui donne les ordres dans cette maison. C'est fini. Donne-moi ça! Ne prends pas mes médicaments! Faites taire ces enfants! Taisez-vous! Bonjour Tony, tu n'es pas au courant? Si tu me dis rien, je peux pas savoir. Oh Tony, j'ai parlé avec ce garçon, Julio. C'est un goujat et un insolent. Il ne respecte pas les personnes âgées comme moi. Je suis une femme âgée. Qu'est-ce que tu attendais, Maribel? Qu'il soit courtois avec toi? Écoute, ce garçon ne connaît pas les règles de la politesse. Mais, enfin, Tony, mais je suis une dame. Il doit me respecter. Le mot respect semble briller par son absence chez ce garçon. Écoute, ce garçon ne parle pas. Il aboie. Non, il ne parle pas. Il aboie. Oui, tu as bien, raison. Bien, et de quoi tu voulais parler avec lui? Eh bien, j'ai pensé qu'il pourrait parler avec Madame Altamirano pour qu'elle retire sa plainte contre son frère. Non, Maribel. Ils sont si différents tous les deux. Hein? Mm-hmm. Ah, non, non, Tony, écoute, tu ne vas pas commencer avec tes proverbes dingues. Ça me perturbe, ça me trouble, c'est je bon, comprends c'est bon, pas. C'est bon, calme-toi, d'accord? En tout cas, j'ai appris que Léo était déjà chez lui. Oui, c'est que sa famille a payé la caution et enfin, ils attendent la date du jugement. Oui. Ah, Tony, je vais te dire une chose, si ça continue comme ça, on sera tous menacés, tu peux me croire? Non, Maribel. On dirait que personne ne nous a dénoncés. Ah, Tony... Et... Aux yeux de la loi, nous sommes totalement innocents. Oh, non, Tony, je n'y crois pas. Mm-hmm. Je connais parfaitement bien Madame Altamirano. Et cette femme ne sera pas heureuse tant qu'on ne nous aura pas renvoyés de l'entreprise. Tu es responsable de ça, n'est-ce pas? Bonjour, Alejandra. Écoute, quelle surprise de te voir ici. Dis-moi, tu travailles toujours dans notre entreprise ou tu viens déposer ton préavis? Écoute, ça suffit, arrête tes plaisanteries. Elles sont plus que douteuses. Elles me donnent envie de vomir. Elles me donnent la nausée. Tu me donnes la nausée. Un conseil d'ami. Tu as essayé par hasard le médicament contre la nausée des laboratoires Ferrandis? C'est très efficace. Oh, écoute, ça suffit, ça suffit. Je n'ai pas envie de blaguer, je te l'ai déjà dit. C'est toi qui es responsable de ça.
Tu as envoyé ce courrier officiel à Gloria pour qu'elle le lise et que Leonardo se mette en colère. Mais je t'en prie, Alejandra, d'où est-ce que tu tiens ça? Je ne crois vraiment pas que Gloria s'amuserait à diffuser les mails privés de mon frère. Ce serait trahir la confiance de son poste. Et alors c'est mon amie, et elle s'est inquiétée pour moi. Ah bon? Je crois que ce que tu es en train de me dire ne va pas plaire du tout à mon frère. J'ai vraiment du mal avec toi. Mais ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça. Oh non, non, tu ne me fais pas peur, tu sais. Non, 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 je ne suis pas du tout en train de te faire peur. Je te donne un conseil. Écoute-moi bien. Considère-moi comme ton oracle. Je suis en train de te montrer ton futur, ce qui pourrait se produire par la suite. Ça ne dépend que de toi. Tu sauras quoi faire. Passe une bonne journée. Ciao. Ferme la porte, s'il te plaît. Cette fois-ci, tu vas me raconter tout ce que vous vous êtes dit avec Ansola, s'il te plaît. Mais sans mystère. Alors tu me fais le plaisir de tout me raconter. Et tu ne t'arrêtes pas, sauf pour reprendre ton souffle. C'est bon, c'est bon. Oui. Je suis allée parler avec lui comme tu me l'avais conseillé. Hein? Vraiment? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as accepté la proposition? Parce que j'imagine que si tu allais lui parler, c'est parce que tu en es sûre. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Quoi? Non. Écoute, tu es incroyable. Après tout ce que je t'ai dit pour que tu comprennes que c'est une bonne personne, et toi, tu vas y réfléchir. Écoute, tu vas me rendre un service. Lui et toi, vous n'êtes plus tout jeunes. Vous êtes même déjà un peu âgés. Alors crois-moi, tu devrais te dépêcher et ne pas perdre votre temps. Mais enfin, je suis comme ça, loupée. Donc, tu sais comme je suis. En plus, c'est clair que je dois réfléchir. Ce n'est pas comme si je lui disais « qu'est-ce qu'on va déjeuner aujourd'hui, non ?» Oh bon, pourquoi? Tu ne vas pas réfléchir comme si tu faisais un voyage en Chine. Mais c'est une décision importante. Et pour toute la vie. Bien, c'est bon, bien. Réfléchis bien. Moi, je vais préparer ma robe de soirée pour la repasser parce que tu ne croiras pas que je mettrai la même... Ah, arrête, arrête. Loupé, c'est pas possible. Que d'émotion. J'ai changé les médicaments des flacons d'Agustina. Quand est-ce qu'on pourra voir les effets? Ah, ma belle, ça dépend de... à quel point ta sœur est affectée. Ce n'est pas ma patiente, mais tu m'as dit que sa santé mentale était très fragile. Bien. Bien, ne t'inquiète pas. Les nouveaux médicaments vont faire leur effet. Tu verras bien, tu verras. Ma pauvre sœur Agustina. Chérie, la nature a été très cruelle avec elle. On dirait que tout ce qu'elle m'a donné, elle le lui a enlevé. Écoute, Rebecca. J'ai vu ta sœur et elle me semble vraiment être une femme très intelligente. Et je ne la sous-estime pas du tout. Je veux que tu saches une chose. Elle te connaît très bien. Et elle ne se laissera pas avoir par toi. Elle te connaît très bien, ma belle. Je t'en prie. Ce que pense Agustina me laisse indifférente. Personne ne la croira. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est Rodrigo. Il m'a menacée. Comment ça? Cet imbécile t'a menacée? Eh bien oui. Il m'a certifié qu'il nous dénoncerait si on ne respecte pas notre accord. Eh bien, on va le respecter. Non. D'après moi, il ne faut pas aller chercher plus loin. Tu ne le connais pas. Rodrigo est ambitieux et il va commencer à en vouloir plus. Mais je ne vais pas m'en préoccuper. J'ai laissé ça entre les mains d'Adolfo. C'est pour ça qu'il est là, non? Oh, ma chérie, je te jure, j'avais du mal à me retenir en voyant la tête de Fernando comme ça. Chaque fois que Damien disait quelque chose, je sais pas ce qu'il a le plus surpris. S'apercevoir que cette histoire de petite amie, c'était vrai? Ou découvrir que c'était pas un vaurien? Vraiment, je me fiche de ce que les autres pensent, mais si ça peut aider à ce que Léo et Rulio restent loin de moi, ça me semble parfait. Ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu parce que j'ai besoin de te parler. Je veux te faire une proposition et j'espère que tu l'accepteras, ma fille. Felipe, je croyais que tu ne venais pas déjeuner. Comme t'as dit que tu travaillerais toute la journée sur le cas de ma sœur, mais je te prépare quelque chose. Non, je dois repartir au bureau, Irène. Je suis venu ici parce que quelque chose me perturbe, me trouble et j'arrive pas à me concentrer. Je veux te parler personnellement. Dis-moi ce qui se passe. Tu as trouvé quelque chose qui porte à nouveau préjudice à ma sœur? Non, il s'agit pas de Virginia. Il s'agit de nous deux. Et de Leonardo. Si c'est encore pour le voyage,
Je croyais que c'était bien clair entre nous. Oui, et j'imagine que c'est lié au voyage. Mais j'en suis pas vraiment certain. Leonardo Ferrandis est venu à mon bureau ce matin pour me demander des explications. Felipe, je comprends pas, sois plus clair. Ok, je vais être clair. Et je veux que toi aussi tu le sois. Ce matin, Leonardo Ferrandis est venu à mon bureau pour me dire en face que Matteo était son fils à lui. Et qu'il allait faire tout son possible pour me le prouver. Explique-moi. Quoi ? Irène, qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage ? Explique-moi. Que s'est-il passé pour qu'il pense avoir des droits pour réclamer ce qui est à moi ? Je suis aussi surprise que toi. Il ne s'est rien passé au cours de ce voyage pour donner des raisons à Leonardo d'agir comme ça. Tu peux me dire de quoi tu m'accuses exactement, Felipe ? Je sais pas, Irène, mais il veut voir Matteo. J'aurais dû te l'interdire, j'en étais sûre, j'aurais dû te l'interdire, je savais que ça allait arriver. Un moment, Felipe. Je comprends très bien que tu t'inquiètes. Je comprends que tu te sentes comme ça. Mais tu ne peux absolument rien m'interdire. Et c'était très clair. Toi aussi, tu m'as rassuré plusieurs fois et je te sentais sûre de toi quand tu m'as laissé partir. Ah bon ? Eh bien, tu vois les conséquences, je t'en prie. Je savais que ça allait arriver. Je t'en prie, ne poursuivons pas cette conversation parce qu'on va se faire du mal. Ce n'est pas à moi que tu dois demander les explications. Je les lui ai demandées. Et très clairement, Irène. J'ai fini par lui dire que je lui interdisais de s'approcher de mon fils. Et moi aussi, je lui ai dit, Felipe. Je l'avais prévenu, mais on dirait qu'il n'a pas compris et je vais le lui répéter. Et je te demanderai quelque chose. La prochaine fois, s'il te plaît, tu parles d'abord avec moi. Tu dois avoir confiance en moi, Felipe. Parce que si nous n'avons pas confiance l'un envers l'autre, ça ne fonctionnera pas. Rappelez-vous que je vous avais demandé, je vous avais exigé de rester loin de moi. Et ici, c'est mon université, c'est-à-dire mon espace, et vous n'avez aucun droit de vous mêler de ma vie. Je suis ton père, même si tu refuses de l'admettre. Non. Vous n'êtes rien pour moi. Si vous ne partez pas tout de suite, je vais commencer à hurler. Et je ne sais pas de quoi je pourrais vous accuser. De toute façon, ce que je dirai de vous ne sera jamais suffisant. Je voulais te dire que, dans quelques jours, je pars pour l'Europe. La proposition que je voulais te faire, c'était de m'accompagner. Maria Lucia, je peux t'offrir la vie que tu mérites. Laisse-moi te prouver que je peux être un bon père. Non, merci. Je suis très heureuse dans ma vie et je pense pas que ce que vous pouvez m'offrir m'intéresse. Je n'irai nulle part avec vous. Je t'en prie, ne me parle pas comme ça. Je suis ton père. Sandra, on va en classe et loin de cet homme. Et je vous préviens que je ne vous retrouve plus sur mon chemin parce que je n'ai plus peur de vous. Bien, au moins, c'est déjà un progrès. Vous savez quoi ? Éloignez-vous de moi, sinon la prochaine fois, je vous jure que j'appelle la police. Carlos Ernesto, je suis en retard, je suis désolée. Mais ne t'inquiète pas, Virginia, sois tranquille. J'imagine que tu as dû aller avec Felipe au tribunal pour remettre la demande de réouverture du cas, non ? Non. En fait, ce n'est pas ça qui m'a mise en retard. C'est plutôt une situation assez désagréable. Je ne vais pas te mentir, j'ai reçu la visite d'une personne que je ne voudrais plus jamais revoir dans ma vie. Ne me dis pas. Ne me dis pas, une autre fois, Rodrigo Bassagnès. Combien de temps cette ordure va encore te déranger ? Mais je sais pas, Carlos Ernesto. Je ne trouve plus la manière de m'en débarrasser. Plus je le repousse, plus il revient vers moi. Mais dis-moi ce qu'il veut ! Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Écoute, mon amour. Il veut se rapprocher de Maria Lucia et... Et il insiste. Et je ne veux absolument pas qu'il ait un contact avec elle. Cet homme est très mauvais. Et il peut lui faire beaucoup de mal. Mais ça, je ne comprends pas. Quel argument il a ? Je crois que... Si toi et moi, nous allons être ensemble, tu dois tout savoir sur moi. Le moment est venu pour toi de savoir comment est née Maria Lucia. Allez, Marie, calme-toi. Ça ne te fait... pas du bien de voir cet homme. Oui, Sandra, c'est vrai. Mais il insiste et surgit de nulle part. Bon, mais il est parti. Tranquille, il te fera rien, d'accord ? Oui, mais il insiste encore et encore. Je te jure que je sais pas quoi faire pour l'éloigner de ma famille. Bon, d'après ce qu'il dit, il pense partir à l'étranger. Alors, bientôt, on n'aura plus de nouvelles de lui. Eh bien, j'espère que ce sera pour bientôt. Comment peut-il me dire que je parte vivre avec lui en Europe ? Pourquoi pas, Maria Lucia ? C'est ce que je souhaite le plus au monde. Que tu viennes avec moi en Europe. Ou n'importe où dans le monde.
tu arrives tard. Ça fait au moins une heure que je t'ai envoyé le message. Estime-toi heureux que je sois venu. Parce que après ce que tu as fait à Alejandra, je ne devrais même plus te parler. Non, mais tu l'avais bien cherché. Tu as dépassé les limites avec Rebecca, en la provoquant. Quant à Alejandra, c'est une bêtise. Un simple avertissement. C'était une menace, Adolfo. Une menace, oui, et je vais l'exécuter. Et tu sais que je l'exécute à moins que toi, ou elle me remettiez ces preuves que vous dites avoir. Et après ? Qu'est-ce que tu feras quand tu auras ces preuves ? Ça, c'est notre seule assurance-vie pour ne pas finir comme Miguel Ferrandiz. Tu sais que je suis un homme d'affaires, Rodrigo. Je tiens ma parole. Tu n'aurais jamais dû ne pas avoir confiance en moi. Voyons, Adolfo. C'est pour ça que tu m'as fait venir ? Pour me menacer de nouveau ? Non. Non, non, ça ne vaut vraiment pas la peine. Je suis certain que ta petite amie se chargera de ça. Non, non, mon garçon. Je t'ai appelé pour te demander autre chose. Et de quoi s'agit-il maintenant ? Je t'avais demandé de faire attention et d'éviter que le cas de la réouverture du dossier de Miguel Ferrandiz revienne devant le tribunal. Aujourd'hui, une demande a été envoyée. Tu vois ? Tu t'es trompé. Tu demandes beaucoup, mais tu te trompes. Ça n'ira pas plus loin que ça. Je veux que tu fasses quelque chose, et je veux que tu le fasses maintenant. Laissez-moi entrer ! Mais vous ne pouvez pas entrer ! Je vous ai dit que je devais vous annoncer parce que vous ne travaillez pas ici ! Ce que je viens dire à cet homme n'a absolument rien à voir avec le travail. Monsieur, elle ne m'écoute pas, elle ne veut pas entendre raison. Tu n'avais pas le droit, Leonardo. Tu n'avais pas le droit d'aller chez Felipe et lui demander quoi que ce soit. J'ai le droit de trouver les réponses à mes doutes. Si tu me caches quoi que ce soit, je dois vérifier. Rien ! Rien ne te donne le droit de manquer de respect de cette façon. Ni toi de me cacher la vérité. J'ai supporté beaucoup de choses, Leonardo. Mais cette fois-ci, je ne vais pas du tout le tolérer. Ne t'approche plus jamais de mon enfant. Perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?